Voici selon nous les 4 meilleures applis de montage sur iPhone et iPad aujourd'hui. On va regarder les options les plus intéressantes de chacune et vous révéler laquelle est selon nous la meilleure application de montage vidéo sur iOS cette année, juste après ça. Salut, c'est Olivier Juprel, bienvenue dans un nouvel épisode de Stratégie Vidéo, le meilleur endroit pour apprendre à faire de belles vidéos, pas chères et qui rapportent gros. Si vous êtes nouveau ici, je vais vous demander de vous abonner. Bah oui, parce que je publie de nouveaux tutoriels chaque semaine. Tous les liens des applications mentionnées dans la vidéo sont dans la description. Alors, après avoir testé la plupart des options du marché, on va se pencher sur les meilleures applis de montage vidéo disponibles sur iPhone et iPad aujourd'hui. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'après avoir parcouru les 4 meilleures applications de montage, je vous montrerai comment monter une vidéo sur iPhone. Et pendant que vous regardez cette vidéo, dites-moi dans les commentaires quelle application de montage vous utilisez pour le moment, ainsi que votre fonctionnalité préférée avec cette application. Alors il y a un tas d'applications qui sont disponibles pour le montage vidéo. Il y a par exemple Vello, iMovie, Videolip, Quick, Filmora Go, LumaFusion, Adobe Premiere Rush, InShot, Power Director, Alight Motion, KineMaster, Viva Video et LuVideo. J'y suis arrivé. Vous voyez que le choix ne manque pas, raison pour laquelle j'ai créé une liste des 4 meilleures applications, celles qui sortent vraiment du lot. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez qu'il y a des applications qui ne se sont pas retrouvées dans la sélection finale et qui sont tout de même de très bonnes applications qui permettent de faire des montages qualitatifs rapidement. Alors ce sont KineMaster, cette appli a été notre application préférée l'année dernière, mais là, ils ont un peu de soucis à se faire avec la concurrence. Power Director arrive enfin sur iOS avec une version qui est pas mal, mais qui ne tient pas encore la distance par rapport à la concurrence. Videolip a une interface qui est très bien pensée et très intuitive, avec des fonctionnalités puissantes. Et Alight Motion n'a pas l'interface la plus intuitive, mais c'est aussi une application pour créer de belles animations. Et dans notre shortlist, il y a LumaFusion, Adobe Premiere Rush, InShot, et Vello. Allez, on commence avec notre première application de montage sur iPhone et iPad. Vello. Vello. VLLO. Vas-y. Générique. Ne vous fiez pas aux apparences de la page d'accueil qui fait un petit peu cheap. Cette application est vraiment géniale. Elle ne propose peut-être pas toutes les fonctionnalités avancées que vous retrouverez sur les applications dont nous parlerons dans cette vidéo. Et son interface est certainement moins intuitive que d'autres, mais elle est tout de même facile à utiliser. Et il y a des fonctionnalités particulièrement intéressantes comme le fait que vous pouvez changer facilement de format. Ça, c'est vraiment idéal si vous voulez décliner votre contenu sur les différentes plateformes, Facebook, Story, Instagram, TikTok. Là, il suffit d'un clic. J'adore aussi la possibilité de couper à gauche ou à droite en une seule étape. Ça permet de monter plus vite. C'est une fonctionnalité avancée et bien trop rare chez les autres. Vous pouvez appliquer vos effets à tous les clips que vous voulez via des calques. Ça vous permet vraiment d'appliquer vos effets par l'eau. On retrouve cela en général uniquement sur les logiciels de montage de bureau et rarement sur des applications comme celle-ci. La représentation visuelle de l'audio en surimpression sur les clips permet de vous y retrouver facilement dans votre audio. Vous pouvez créer plusieurs pistes vidéo pour ajouter des images d'illustration. Alors maintenant, c'est moins bien foutu que sur d'autres applications et il vaut mieux ne pas vouloir ajouter trop de pistes vidéo. À partir de 3 pistes, ça devient vraiment difficile de passer de l'une à l'autre et de sélectionner les différentes pistes. Il existe une version gratuite sans filigrane, vous pourrez utiliser les fonctionnalités de base et exporter vos vidéos sans avoir de filigrane. Si vous voulez débloquer les fonctionnalités pro comme par exemple la possibilité d'utiliser plusieurs pistes vidéo, vous devrez acheter l'application et ici c'est vraiment pas cher, 11,99€ pour un achat unique à vie. Vello est donc recommandé à une personne qui débute comme à une personne plus avancée. Vous avez en effet assez pour créer rapidement une vidéo simple et jolie et la publier sur les différentes plateformes. Et si vous voulez des fonctionnalités plus avancées en utilisant plusieurs pistes vidéo par exemple, ce sera un bon choix pour vous aussi. Alors prochaine application de montage sur iPhone et iPad dans notre liste, c'est InShot. InShot, c'est une app qu'on aime bien chez Stratégie Vidéo, même si les fonctionnalités proposées sont basiques, parfois même plus basiques que celles de certaines applications qui ne se sont pas retrouvées dans notre shortlist. Si vous êtes débutant ou que, comme moi, vous voulez simplement effectuer quelques modifications mineures pour publier des contenus qui ont un chouette look sur les réseaux sociaux,
InShot vous permettra de monter vos vidéos rapidement sans avoir besoin de toutes les fonctionnalités avancées. C'est très facile à utiliser, l'interface est intuitive et InShot propose des petits trucs en plus qu'on apprécie particulièrement. Alors numéro 1, c'est super facile de changer le format de vos vidéos. Ça, c'est vraiment idéal si vous déclinez vos contenus sur les différentes plateformes. C'est très simple de passer du format paysage au format portrait. Vous pouvez aussi en fait utiliser des options pour ajuster les couleurs de l'arrière-plan et pouvoir ajouter des sous-titres ou ajouter un flou d'arrière-plan. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on peut faire sur les autres applications, mais sur InShot, c'est vraiment simple et rapide. Deuxièmement, vous avez la possibilité d'appliquer vos effets à tous les clips, comme votre étalonnage, vos filtres, votre format. Il vous suffit de cocher une case pour que cela s'applique à tout votre montage. Et c'est le genre de fonctionnalité que l'on retrouve sur les applications de montage haut de gamme. Ce qu'on aime moins, c'est que l'application n'a pas les fonctionnalités d'une application professionnelle. Il n'y a pas non plus de contrôle de la fréquence d'image, de la vidéo. Et ce qui est vraiment le plus ennuyant, c'est qu'on ne peut créer qu'une seule piste vidéo. Donc si vous cherchez une solution plus avancée, dans laquelle vous pouvez empiler les pistes vidéo pour ajouter des images d'illustration par exemple, ce ne sera pas possible dans InShot. Il y a une version gratuite d'InShot avec un filigrane, mais vous pouvez regarder une publicité pour l'enlever. Et une fois que vous avez regardé la publicité, vous ne devez plus payer pour enlever le filigrane. Vous pouvez donc utiliser InShot gratuitement sans filigrane. Vous pouvez enlever le filigrane en passant à un abonnement pro pour 3€ par mois, 9,99€ par an ou 29,99€ en une seule fois. InShot est vraiment top pour monter très rapidement, modifier les formats d'export, ajouter des titres, mais c'est clairement plus pour les débutants. J'ai un niveau avancé et j'utilise InShot pour nettoyer et habiller rapidement une vidéo que je veux publier sur mes réseaux sociaux. Si vous ne voulez pas vous ennuyer avec des fonctionnalités avancées, c'est vraiment très bien aussi quoi. Alors le prochain sur la liste, c'est Adobe Premiere Rush. Adobe Premiere Rush est super facile à utiliser, très intuitif et la prise en main est vraiment facile pour les débutants. L'application propose des fonctionnalités pro pour les plus avancés. Il conviendra donc à la fois aux débutants et aux plus avancés. Le plus gros avantage d'Adobe Premiere Rush, c'est qu'on peut l'utiliser sur plusieurs appareils. iPhone, iPad, Mac, PC, vous pouvez commencer un projet sur l'un et le continuer sur l'autre pour le terminer encore sur un autre. Et en plus, vous pouvez passer très facilement sur Premiere Pro, qui est la version professionnelle de Adobe Rush. Vous pouvez par exemple commencer votre montage sur Adobe Rush et ouvrir ensuite Premiere Pro pour terminer votre montage. Il y a aussi des fonctionnalités qui sont vraiment bien foutues. C'est par exemple très simple de modifier le format de vos vidéos. Si vous commencez en format horizontal pour YouTube et que vous voulez passer au format carré ou vertical pour Facebook, c'est super simple. J'adore le fait que l'application détecte si c'est une voix qui est enregistrée et ajuste le volume au bon niveau de manière automatique. Il y a aussi un effet ducking qui permet de diminuer la musique automatiquement. C'est un peu l'effet fête foraine quand le gars parle pour annoncer le départ des autotamponneuses, le volume de la musique diminue automatiquement. Ah, c'est parti ! Tu sais que tu vas te faire des ennemis, mais c'est pas grave. Tous les coups sont permis. Ambiance ou ambulance ? Adobe Premiere Rush est parfois un peu instable, même si ça va beaucoup mieux. Vous ne pouvez pas inverser un clip ou le lire à l'envers. C'est vraiment bizarre parce que ça, c'est vraiment une fonctionnalité de base, mais bon, c'est pas possible dans Adobe Premiere Rush. Il y a une version gratuite, mais vous ne pourrez sauvegarder ou exporter que 3 projets. Je vous conseille donc de choisir une version payante. Il y a une option abonnement à 12€. Vous pouvez aussi le regrouper avec Premiere Pro pour 24€ par mois. Et si vous avez déjà un abonnement Premiere Pro, en fait, Adobe Premiere Rush est déjà compris dedans. Adobe Premiere Rush est une bonne option pour à la fois des personnes qui sont complètement débutantes avec le montage vidéo et pour celles qui ont déjà un niveau plus avancé. C'est aussi une bonne manière de se familiariser avec l'univers Adobe pour faire le saut vers Premiere Pro une fois que vous aurez progressé avec vos montages. Dernière application dans notre liste, Luma Fusion. LumaFusion, c'est clairement l'application la plus puissante, la plus avancée pour monter des vidéos sur iOS aujourd'hui. C'est bluffant, on retrouve le même style de montage que sur Final Cut Pro ou Adobe Premiere Pro, mais sur un iPhone ou un iPad. Cette application a toutes les ressources nécessaires pour monter une petite vidéo rapidement, jusqu'à un clip ou un long métrage. Ouais, j'exagère un peu, mais franchement, ce serait un bel effet d'annonce, non ? Le tout nouveau film de Christopher Nolan entièrement monté sur iPhone. Du coup, l'interface n'est vraiment pas simple à prendre en main comparé aux autres applications mentionnées dans cette vidéo. C'est clairement à cause des fonctionnalités avancées de cette application, tous les paramètres, les contrôles et les réglages qui sont possibles avec LumaFusion. Si vous avez déjà fait du montage auparavant, il ne vous faudra pas longtemps pour trouver votre rythme sur cette application et vous serez épaté par les possibilités offertes par LumaFusion. Les performances sont vraiment impressionnantes. On peut monter des vidéos 4K
ajouter des effets, de la musique, modifier les couleurs, même si vous avez un iPhone qui est un peu plus vieux. Déplacer les clips dans la timeline est d'une simplicité enfantine et tout reste synchronisé. C'est aussi très simple de modifier l'interface en fonction de l'appareil que vous utilisez. Les ajustements audio comme monter ou descendre le volume d'un clip par exemple sont particulièrement faciles à utiliser. Il n'y a pas de version gratuite, c'est un achat unique et vraiment bon marché, 32,99€, en sachant que c'est l'application de montage vidéo la plus puissante sur iOS aujourd'hui. Nous recommandons vraiment LumaFusion à tous ceux et celles qui ont un niveau intermédiaire à avancer. Si vous êtes débutant, vous pouvez essayer, mais la courbe d'apprentissage sera plus longue que sur d'autres applications. Mais si vous voulez vraiment apprendre et maîtriser le montage vidéo, alors cette application peut clairement vous convenir. Avec un niveau intermédiaire à avancer, vous allez rapidement le prendre en main, savoir faire tout ce que vous voulez à un prix plancher. C'est donc notre top 4 des meilleures applications de montage sur iPhone et iPad. Si je devais en choisir une, ce serait pas évident, mais je choisirais LumaFusion vu le nombre de possibilités offertes. Aucune autre application ne s'en approche, on dirait, du montage vidéo de bureau sur un dispositif iOS. Je monte des vidéos professionnelles depuis plus de 15 ans et c'est complètement fou de voir ce que vous pouvez avoir pour seulement 32,99€ en une seule fois. C'est bluffant de voir comment on peut empiler des vidéos en 4K. Alors évidemment, ça va être intéressant de voir comment ces quatre applications vont évoluer dans les prochains mois, même peut-être les prochaines années. Je pense qu'on sera surpris dans le bon sens. Si vous voulez en tout cas apprendre à monter une vidéo sur iPhone avec LumaFusion, je vous invite à aller voir cette vidéo ici. Et si vous préférez démarrer avec une application plus simple, je vous invite à découvrir comment monter une vidéo avec InShot. Voilà, ici, laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Et si ce n'est pas encore fait, ben moi je vous dis à bientôt. Ciao.